Salut, salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui, on entame le Sanctus du Requiem. Donc, c'est le seul morceau qui est ternaire dans cette œuvre. C'est une approche classique, hein, du Sanctus avec une portée symbolique. Ça représente en fait les trois entités du Dieu chrétien qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 3 est partout, donc dans le thème, dans le nombre de répétitions du Sanctus. Donc, trois répétitions qui sont elles-mêmes reprises à chaque fois par le chœur. Ainsi que le nombre de fois où ce thème entier est repris, en fait toute la phrase est reprise à chaque fois en enrichissant l'accompagnement. Donc 3, 3, 3, 3. Et par contraste, donc le Hosanna, lui, est en binaire. Il y a une modulation à chaque thème, d'abord en Sol majeur, puis en Do majeur, puis en Fa majeur, ce qui amène à la suite du Sanctus, qui est le Benedictus que nous découvrirons dans la prochaine vidéo. Voilà, donc toi, comment ressens-tu un peu ce Sanctus? N'hésite pas à me le dire. Est-ce que ces modulations, par exemple, sont pertinentes? Est-ce que tu as d'autres remarques à faire? N'hésite pas dans les commentaires. De toute façon, j'y répondrai. Si ce morceau te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour pouvoir continuer à suivre les vidéos sur ce Requiem et puis d'autres nouvelles à l'avenir, car je compose plein d'autres choses, bien entendu. Voilà, bonne écoute et à bientôt. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, Gloria, Gloria tua. Gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, Gloria, Gloria tua.